Donc pour cette dernière partie, donc il n'y a pas grand chose à voir, mais ça va être très complexe le peu qu'il y a. Donc je vous avais déjà montré un petit peu banque ici, faction c'est tout simplement si vous voulez avancer, faire une nouvelle faction. Mais on va surtout voir dialogue, donc ça, ça va vraiment être important. Donc on peut voir que là j'ai mis, donc j'ai un test, donc je peux en ajouter également, donc ça, ça va être pour faire des catégories. Donc je vais dans dialogue, donc ça, ça va tout simplement être des dossiers par exemple pour une quête. On ajoute un nouveau dialogue, on le dit pas, donc ça c'est le titre, ça va pas influencer sur... sur la conversation que va avoir le NPC avec vous, mais ça va être plus pratique si vous voulez vous retrouver, si vous faites vraiment un lion de dialogue. Donc on va l'appeler début ici. On va dire bonjour. Donc on peut également encore mettre les noms, enfin les players. Donc bonjour Denardi13, comment vas-tu? Donc là ça va tout simplement mon dialogue. Et donc là, si je clique, ça ne fait absolument rien. C'est tout simplement parce que quand je vais dans avancer, il faut d'abord sélectionner que ce NPC, on lui attribue ce dialogue à celui-ci. Donc là, je l'ai mis dans tuto, je vais dans début, et là, il va tout simplement m'ouvrir l'interface avec bonjour Denardi, comment vas-tu? Donc là, il faut bien penser à assigner à votre NPC quel dialogue il peut dire ou ne pas dire. Donc on va également montrer les options. Donc option de disponibilité, donc ça va être est-ce que ce dialogue va être uniquement disponible après un dialogue ou après une quête. Option de faction, donc est-ce qu'il peut parler juste aux personnes amies, tout ça. Et option de dialogue, ça va être pour faire des réponses. Donc là, titre, ça va être la réponse qu'on va lui faire. Donc là, on peut dire bien bien, on peut choisir la couleur. Donc vert parce qu'on est content, tout ça. Et on va également lui dire très mal. En rouge parce que voilà c'est négatif. Donc là par exemple je vais également vous montrer ça. Donc type d'option fermé, quand on va répondre très mal on va fermer le dialogue, donc il va s'arrêter de parler. Dialogue, ça vous permet de surenchérir, donc par exemple si on lui dit très mal on peut faire en sorte que le NPC nous réponde quel dommage que t'est-il arrivé. Donc là on choisit évidemment notre dialogue. Désactiver, ça veut dire que ça fait rien. Enfin, qu'on ne voit pas cette option. Rôle, donc là il va donc faire son rôle. Bloc de commande, on peut faire par exemple que ça mette le jour. Donc si je mets time cd et qu'on répond très mal, il peut dire bah tiens pour te rendre heureux je vais mettre le jour. Et on peut fermer le dialogue. Donc là je vais juste mettre fermé. Voilà. Et après on a assez de réponses. Donc très mal ça ferme. Et très bien. Ça ne fait absolument rien parce que je n'ai pas mis de réponse à ce très bien. Donc par exemple si je retourne dans dialogue, je vais rajouter un après par exemple. On va dire après. Donc on a le début, on va appeler ça après. Donc tant mieux. On peut lui dire tant mieux alors. Voilà. On peut mettre option de disponibilité. Et là on choisit notre texte quand il est au début. Donc là, on peut dire qu'il est disponible après ce texte-là, avant ce texte-là. Donc ça veut dire qu'il sera disponible juste avant avoir fait. Si on le fait après, ça veut dire qu'il ne sera pas dispo. Ou on peut le mettre toujours. Donc maintenant, j'ai mon après. Donc je lui ai dit option de disponibilité, je l'ai mis ici, donc mon dialogue. Mais il ne faut surtout pas oublier, dans début, d'également assigner cette réponse à bien bien. Donc là, par exemple, je n'avais pas sélectionné dialogue. Donc là, il faut bien que je marque que... Une fois que j'ai répondu bien bien, ça répond, enfin ça va m'amener au dialogue après. Voilà, donc là il me dit tant mieux alors. Donc après voilà, ça c'est question de, je vous ai montré des trucs très basiques, après on peut aller très loin avec ça. Rien qu'en ayant deux réponses après ça peut partir très loin, on peut faire une conversation totalement différente. En dialogue on peut également, je vais vous montrer également qu'on peut introduire des quêtes. Donc là ça va nous faire j'ai aucune quête de créer mais ça je vais vous montrer ça un petit peu après. On peut choisir le son qu'on va donner quand on a ce dialogue. Les quêtes à présent, donc les quêtes là aussi ça va être très important dans le mode NPC. Donc je vais créer une quête, voilà, donc on va l'appeler également tuto, ajouter, je me suis trompé, c'est quête, voilà, donc on ajoute une quête. Donc là on va l'appeler par exemple, je vais vous montrer, j'ai préparé un petit peu une quête pour aller à un endroit. Donc on va l'appeler chalet parce que j'ai fait un petit chalet. Donc texte d'achèvement, c'est quand on a fini notre quête, il va dire
on peut juste dire félicitations. Texte de quête, donc c'est par exemple là, je vais dire rends-toi au chalet. Récompense, on va donner un bloc, on va donner soit du diamant, soit 3 fers, soit 3 ors. Donc item random, oui ou non, donc là on va mettre oui, donc ça va me donner, j'ai des chances d'avoir celui-ci, ou on peut donner de l'XP. Ça peut être intéressant aussi à donner de l'XP. Type, donc ça va être également très important. Donc quête d'objet, c'est-à-dire qu'on doit ramener un objet. Donc ignorer les dégâts, oui ou non. Donc ça veut dire que s'il nous demande de ramener une épée en diamant, est-ce qu'on peut lui en ramener une toute pourrie qu'on a trouvée dans nos coffres, ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit une épée toute neuve. Ignorer NBT, donc est-ce qu'on peut demander des enchantes par exemple. Là on peut donc ramener jusqu'à 3 items, lui demander de ramener jusqu'à 3 items. Donc on peut lui demander de ramener un bloc de fer, un bloc d'or et une épée. Tech item, donc est-ce qu'il va nous les prendre. Donc une fois qu'on a fini la mission, il va nous prendre notre épée en diamant, notre bloc d'or et notre bloc de diamant. Quête de dialogue, donc ça peut nous dire va parler à telle personne. Donc là on peut dire que la quête c'est d'aller parler à celui-ci. Terminé par PNJ, donc là à quel PNJ on peut la terminer. Donc par exemple je peux ne terminer la quête que une fois que j'ai parlé une fois que je retourne lui parler à celui-ci. Terminer instantanément, donc par exemple une fois qu'on a par exemple s'il nous dit de prendre un objet, du moment qu'on a cet objet la quête se termine. Et après voilà, option donc uniquement si c'est une personne de telle faction, voilà. On a également la quête de meurtre, donc là il peut nous dire d'aller tuer des mobs particuliers. Donc s'il nous dit d'aller tuer le NPC qui s'appelle Gérard, on va tuer Gérard et là on choisit le nombre de fois qu'il faut le tuer. Donc quête de location, on va tout simplement mettre le nom du location case block. Donc là je vais l'appeler chalet. Voilà. Et si je vais ici où j'ai préparé mon petit chalet, l'entrée de l'autre côté, voilà, j'ai mon petit chalet. Et ici on a un nouveau bloc qui s'appelle Location Quest Block. Donc pour l'éditer, c'est comme le structure block, c'est avec la baguette de PNJ. Donc on va l'appeler chalet. On va lui dire la distance. Donc par exemple, à quelle distance le joueur doit se trouver de ce bloc pour que ça considère qu'il est trouvé. Donc par exemple, si on met à 1, il doit être obligatoirement dessus. Si on met à 5, ça veut dire par exemple, du moment qu'il tourne autour du chalet, ça va être bon. On va considérer qu'il a trouvé l'emplacement. Donc pour les quêtes, je vais également vous montrer comment les faire en sorte qu'on donne les quêtes. Donc là, on va surtout utiliser le lien entre les dialogues et les quêtes. Donc par exemple, on va reprendre notre dialogue tuto. Donc s'il nous dit, là j'ai marqué tant mieux alors, on peut marquer que c'est une fois qu'il a fait ce dialogue, ça nous donne la quête chalet. Voilà. Donc on va juste rajouter une petite réponse qui va fermer. On va juste dire au revoir, voilà. Ça va fermer mon dialogue et ça va me donner également la quête. Donc là, si ensuite je prends mon NPC, hop, donc j'ai bonjour Nadardi, comment vas-tu? Bien, bien. Là, on voit, il me dit ce texte, j'ai une nouvelle quête. Et donc, on dit au revoir. Donc les quêtes, là, on voit pas en game mode, mais si je me mets en game mode 0, j'ai ce petit onglet quête L qui va apparaître ici. Et là, j'ai mon chalet. Donc là, il faut trouver un chalet. Donc rends-toi au chalet. Donc ça c'est l'instruction. Et donc là faut que je complète avec ici. Voilà. Donc ensuite si je vais au chalet, je sais pas si j'ai bien configuré, mais voilà. Là j'ai quest completed. Donc j'ai fini ma quête. Ma quête est marquée comme complétée. Donc là il faut que je retourne voir mon NPC pour pouvoir récupérer le loot que j'ai qu'il me faut. Donc là, voilà. Donc là il me dit félicitations. Et j'ai bien eu, là on n'a pas vu, mais j'ai eu un des éléments qui avait aléatoirement. Voilà, j'aurais peut-être dû les mettre dans l'inventaire, mais bon, normalement il m'a donné un de ces éléments là. Et donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait à voir pour les quêtes. Donc ça c'est j'explique brièvement, mais après voilà, une fois qu'on a compris le principe, on peut aller très loin avec ça, surtout en faisant les liens avec les dialogues. Donc vraiment on peut faire qu'une conversation amène sur une quête en particulier. Et on va passer juste à la fin, donc ça va être recettes et autres.
Donc ça va se retrouver ici aussi. Donc on va aller dans cette zone là. Et là en fait ça nous permet d'ajouter des crafts. Donc là par exemple j'ai ajouté un craft qui va nous permettre de crafter le structure bloc. Donc vous vous demandez peut-être comment ça se fait qu'on ait une table de craft de 4 sur 4. Ça va tout simplement être avec la carpentry bench. Et donc ça c'est une table de craft qui est de 4 sur 4. Donc si je veux ajouter par exemple, on a le choix entre global et carpentry bench. Donc là j'ajoute un craft pour me obtenir justement cette table de craft de 4 x 4. Donc on va en ajouter un autre pour l'exemple. Donc par exemple si je fais, si je mets ce 9 blocs de chaîne noire, j'obtiens un bloc de diamant. C'est totalement pété mais c'est pas grave. Donc là pareil, il y aurait des dégâts, il y aura MBT. Donc est-ce qu'il faut que des items particuliers pour crafter ça. Et si je prends une petite table de craft, j'aurai, et que je fais mon craft que j'ai assigné, je vais avoir un bloc de diamant. Donc voilà, c'est tout simple. Je vais aussi vous montrer là pour la carpentry bench, c'est le même principe. Donc nouveau, on appelle un nom pour se retrouver quand même avec nos crafts. Peut-être plutôt faire un craft pour avoir le location case bloc. Donc on va donner le nom du bloc qu'on veut que ça assigne. Donc là je l'appelle location quest block. On dit que pour l'avoir c'est compliqué à faire. Donc là on voit que j'ai quand même un pattern assez particulier. On choisit d'avoir le location quest block en récompense, enfin en guise de craft. Donc là si je refais mon craft, j'obtiens bien mon location quest block. Voilà. Donc après on a également ici cette petite zone qui montre par exemple les crafts qu'on a. Donc là on peut voir que ça m'affiche tous les crafts qu'il y a disponible. Et voilà, donc par contre on n'a pas dans la table de craft normale, mais pour celui-ci c'est vrai qu'on a ce petit ajout qui nous montre tous les crafts qui sont disponibles. La dernière petite chose que je voulais montrer, c'est que par exemple là pour les quêtes ou les dialogues, si par exemple c'est une quête ou un dialogue qui ne peut être fait qu'une seule fois par joueur mais qu'on a quand même envie de la refaire, ça va être dans données joueurs. Il suffit d'effacer les ce qu'on veut effacer tout simplement. Donc là on peut effacer qu'il ait lu cette quête. Voilà, on peut dire par exemple que j'ai jamais lu. Après voilà, hein, on choisit vraiment tout. On peut supprimer toutes les données du joueur. Donc là ça va être comme si je n'avais jamais fait la quête. Et c'est à peu près tout ce qu'il y avait à voir là-dedans. Et donc voilà, c'est la fin de ces tutos sur le mode NPC. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas ça vous montre vraiment à quel point c'est vague le mode NPC et qu'on a beaucoup de fonctionnalités. Donc si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et pareil, si vous avez encore des questions sur le tuto, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo ou un prochain tuto. C'était Denardy13, à la prochaine, bye bye.